Yes, c'est Zach. Nouvelle vidéo. Là, on part avec mon frère en chaloupe, puis on s'est empêché de la chien. Live, c'est la transition d'automne, fait qu'on en profite. Ça part, let's go. Tu sais, du moment que tu veux aussi une touffe de gazon verte dans l'eau, là, ça peut tout être des bonnes places. Parce que là, à ce temps-ci de l'année, les poissons vont chercher où ce qui reste du gazon, mettons. Tu sais, si tu regardes, il est tout beige, là. Parce qu'il fait tellement frais dans la nuit qu'il ne pousse pas. Puis qu'il meurt. Fait que le gazon se fait rare. Non? Ouais. Oh. As-tu besoin du net? Tu peux mettre ici sur le côté à ta gauche? Ouais. Ah, ben il est vraiment pas si petit. Il est pas si petit que ça, mettons. Il est dans le puits, je prends ton temps. Tu veux une photo? Oui, bien. On va se mettre genre au milieu pour pouvoir jeter l'encre. T'en as un? Ouais. Ben, c'est pas super. Bon, il n'y a pas besoin du net. Là. Et on va le mettre dans le net quand même, juste pour que. Il était changé, bon, il a essayé le derrière. Ouais. Yes, avec petit 2 secondes pendant la vidéo, on y retourne dans pas long, mais là, je voulais te parler de la transition d'automne, vite, vite. C'est quand la transition d'automne, c'est quand que les nuits, il fait froid, mais que le jour, il fait chaud. Ça fait que l'eau n'est pas encore assez froide, que les poissons soient tous regroupés, puis qu'ils se prennent un peu partout, puis qu'on trouve les gros poissons d'automne. C'est vraiment un entre-deux. Là, les poissons, ils partent leur spot plus creux, du 15-20 pieds, pour monter dans le vraiment shallow, mais ça dure vraiment pas longtemps, là, pendant une semaine ou deux, puis après ça, ils s'en vont dans le plus creux, faire leur pattern d'automne. Fait qu'au moment que je poste la vidéo, il reste encore peut-être cette semaine à profiter de la transition. Puis après ça, on tombe vraiment dans un mood d'automne où ce que le poisson, il va être groupé. Mais ça, je vais vous en parler plus dans l'autre vidéo. Mais ce qu'on peut faire, là, si tu veux te mettre de quoi, mettons un drop shot. Ben, tu sais, ou tu peux même au-dessus, puis ça fait, là. Mais moi, je vais me mettre un drop shot, en tout cas, là. Puis, ou un head rig, mettons, un head rig, ça pourrait être bon aussi. Puis, on va aller là-bas, puis partout où il y a des petits spots qui ont l'air corrects, puisqu'on a passé tantôt, on va ancrer, puis on va caster. On s'en retourne même doucement. Tu n'as un? C'est-tu un doré, voyons? Oui. Je suis pas sûr, t'as de quoi? Ah, ben oui, un petit doré! Non! Ton Hey, c'est vrai, t'as jamais pogné de doré? Vraiment bizarre! Ben, ça tire pas, t'as hein? Oh, oui! Ça mord, là, ça vient tatouer, là! Je vais me mettre un drop shot. Je pense que je sais dire pourquoi que tu pognes plus de poisson que moi à date. Parce que j'ai pas encore pêché avec un mooch minnow. Pas une grosse roche avec le mooch minnow. Oh, je me suis dépogné du fond avec le mooch minnow. J'ai perdu mon mooch minnow. Ah non! Finalement, j'ai encore mon mooch minnow. Un dernier cache chaque, puis après ça, tu lèveras l'ancre.
je filmais pas, mais j'ai un poisson. C'était chiant. Oh fuck, la corde de l'encre derrière toi. Ta canne, je te dis que. Yeah! Oups, excuse, j'étais. Avec quoi, Dil, que j'ai pogné le bass? Avec le Mooch Minnow! Mets ça à l'eau. Hey, direct, premier cast, shit. C'est bon ça. Hop. Ok. Ok. Embarque dans la chaloupe. Il va falloir que tu pagaies un peu. Là, tu vas essayer de rentrer dans le trailer. Bon, ça, tu fais bien ça. Et tu l'as pas, repars-toi. Mais recule-toi bien droite, puis avance-toi bien droite, puis tu vas l'avoir.